Now, ladies and gentlemen, live from Mougins, France, I'm really happy to introduce you, Mr. Dennis Peterson. Il y a que des stars, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, il y a que des stars. Ah, il est très très bon. Mais ça pue la corrida, c'est pas mal. C'est quoi? Alors, Casnoder Caviar vient de Madagascar. Nous sommes donc producteurs et distributeurs et nous sommes le premier caviar d'Afrique et de l'océan Indien. C'est une grande première dans le monde de la gastronomie et c'est un grand succès, donc nous sommes ravis. Pour la petite histoire, en fait, ce sont trois fondateurs français donc qui sont à Madagascar depuis 30 ans, spécialisés dans le prêt-à-porter de luxe à la base et qui ont décidé de se lancer un nouveau défi. Et à ce jour, Casnoder Caviar propose du Bayri. Nous avons 6 espèces d'échangeons différentes au sein de notre ferme et donc nous aurons prochainement l'ossiètre et d'autres espèces chaque année qui pourront voir le jour et du coup être dégustées. La particularité de notre maison est d'avoir un caviar très doux. Nous sommes un caviar malossol, terme russe voulant dire peu salé. Et je pense que c'est ce qui aujourd'hui plaît le plus. Nous souhaitons vraiment redonner vie au goût original du caviar. C'est une bougie. 1, 2, 3. Fétisson is the best. Très bien travaillé, c'est bien fait. C'est... Et ce mariage avec le caviar, alors, et ce caviar? Très bien, parfait. L'angoustine caviar, l'angoustine c'est neutre et le caviar rehausse le côté iodé de la langoustine, donc c'est très bien. C'est excellent, c'est très subtil et on voit, elles sont magnifiquement travaillées, magnifiquement respectées. La cuisson est impeccable, juste nacrée. Elles sont de très belles tailles. C'est un produit exceptionnel. Est-ce qu'on a pu déguster auparavant? Ben jusque-ci, c'est un sans faute. Hein, l'entrée avec l'espumade de pommes de terre juste fumée, suivie des huîtres avec la petite gelée d'oursin, la petite feuille d'huître dessus, et le caviar, c'était absolument c'est divin, vraiment très délicat. Puis là, la langoustine, on reste vraiment sur des produits de la mer. Et, parfaitement maîtrisé, c'est un régal. Denis est un homme de produit. Oui, on voit. Vraiment, c'est le produit qui est mis en valeur. Très joli, de belles couleurs, le vert, tranche avec le blanc et le caviar, la betterave, le petit œuf de caille. Le caviar surmonté d'un petit croustillant, on se demande ce que c'est d'ailleurs. Et le bœuf coupé au couteau. Très joli, très harmonieux. Du grand art, non? Du grand art. Et donc je vous rajoute le caramel dessus en sachant qu'il y en a en dessous
en ganache. Voilà. Bonne continuation. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà. Très spécial, c'est très bon. Ah, j'ai jamais mangé quelque chose comme ça de ma vie, jamais. Je suis Christophe Chiavola, je suis chef exécutif et consultant du groupe SRP dans le sud de la France. Et j'ai obtenu donc mon étoile au guide Michelin au château de Massillon en 2021. Et donc voilà. Alors là, vous avez travaillé un produit français. Oui. Et tout à fait surprenant. Oui, bah ce soir, c'est surprenant parce que je ne suis pas pâtissier à la base. Et j'ai essayé de travailler donc le caviar avec un chocolat qui s'appelle le Dolce. J'ai voulu associer les deux. C'est une petite histoire toute simple. J'ai fait le salon du chocolat. J'ai fait un dessert à base de ce chocolat. Et on m'a proposé du caviar à ce moment-là. Et je l'ai mis. Mais vraiment, vraiment par un coup de bluff. Et j'ai trouvé que l'association était très bien. Je l'ai mis sur mes tables étoilées quand j'étais au Hameau des Beaux. Depuis, ben, je suis accro, quoi. On a cet apport de salinité du caviar qui vient contrebalancer le chocolat. Et en fait, ben, on a un caramel beurre salé haut de gamme. Mais oui, il est très doux, les gens ont adoré à l'apéritif. C'est un caviar qui se mange hyper bien à l'apéritif parce qu'il n'est pas agressif. Le grain est assez fin, donc c'est agréable avec le champagne. Et c'est ce que j'ai... Alors j'étais un peu perplexe parce que c'est un caviar qui n'est pas puissant. Donc j'ai fait des recettes assez douces, enfin assez nature, assez pures. Et donc j'avais un petit peu peur du résultat de l'appréciation des clients et finalement le retour est positif. Donc c'est... Oui, il est Roland, oui. Oui, Monsieur Magdan a trouvé que c'était assez bluffant, qu'il avait énormément apprécié, surpris parce que c'est la première fois qu'il a mangé. Déguster, on va dire, un dessert comme ça, et bon, c'est cool, je suis flatté parce que à chaque fois ça fait mouche, quoi. Et donc vous avez découvert quand même ce caviar de Madagascar. Oui. Vous le connaissiez ? Oui, j'ai été justement à Madagascar visiter l'exploitation qui est une pure merveille. Il est travaillé dans des conditions remarquables, avec des normes remarquables. Madagascar, on pourrait dire ouais, non, c'est exceptionnel, vraiment, vraiment. Parce qu'on n'imaginait pas qu'on puisse élever de l'esturgeon quand même en Afrique. Non. Mais moi le premier, jamais je me serais dit Madagascar, mais ça, qu'est-ce qu'on va foutre là-bas? Ben, en fait, c'est certainement le meilleur caviar que j'ai mangé et où j'ai été autant bluffé par la diversité du produit et par l'élevage sur place, où c'était purement magique. Quoi. En plus, là on peut dire encore une fois, vive la France. Oui, complètement. Oui, vive la France.